ou à commencer à exposer, un des premiers à exposer, mais le premier à travailler, dans votre région d'origine. Et ça, qu'est-ce que ça vous fait? Ah bah c'est un plaisir hein. C'est vrai qu'on se sent un peu chez soi comme ça. C'est parfait. Aussi, bah, au tout début, du coup, pourquoi est-ce que vous avez choisi le street art, la rue, l'espace public comme moyen Pour d'expression? avoir un public tout de suite, quand on est peintre, si on reste enfermé dans son atelier, on a moins de chances d'être connu rapidement. Donc la rue, c'était avoir un public immédiatement. Voilà, et puis faire un art qui soit vraiment approprié à la rue, ça donne déjà beaucoup plus d'espace que dans les tableaux, hein. Quand on débute, on est souvent limité au niveau de taille dans l'atelier pour peindre. On a des petits ateliers et tout ça. Donc moi, j'avais envie déjà de pouvoir un peu m'exprimer librement, donc avec de la place, hein, de l'espace. Ah bah c'est la lumière, c'est le corps dans la lumière, c'est l'être humain qui est éclairé. La lumière en fait, le blanc comme ça fait penser à la lumière lunaire. Je vais le tenir. Tu vois, en opposition à la nuit. Voilà, c'est juste ça. Puis je marque plutôt le dynamisme des corps, donc c'est vraiment plutôt le mouvement en premier que le truc bien léché. À la fois le mur qui fait l'art et le mur qui rappelle une rue, hein, c'est une histoire de mur là. Donc c'est bien justement l'ouverture qu'il y ait des musées qui ne soient pas que consacrés aux tableaux ou aux gens qui soient morts. Donc là c'est deux fois vivant, il y a bah, l'espace pour créer, il y a le fait qu'on est vivant et qu'on propose un art vivant. Que les gens peuvent voir vraiment quelque chose qui vient de se faire, hein, qui est plein jet de vitalité. Improviserai en fait, voilà, avec des personnages. Après, je peux avoir une très bonne idée, on sait jamais, avec un peu de chance. Tu vois, quand je parlais d'improviser, les murs, ils ont leurs exigences aussi.
renversant.